Jardin des fruits. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera en français car j'ai pas parlé en français pendant un mois. Comme vous le savez, j'ai déménagé de Paris où j'étais étudiante. Au début, c'était vraiment dur. Je me sentais seule et je me doutais aussi. Mais maintenant, je commence à créer mes habitudes ici à Taipei. J'ai quelques passe-temps. J'ai commencé à faire d'exercices encore, aller au gym. Et en plus, j'ai aussi continué à faire le swing. Ça me fait grave de bien d'avoir des activités où je peux rencontrer des gens. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous ramener avec moi pour une journée à Taipei. En première, je vais aller à la banque et puis je vais aller signer mon contrat de location parce que j'ai trouvé un appartement pour moi et Will. Et c'est un colocation, donc il y aura deux autres personnes. On y va! On est en chemin! If any of you have ever tried to learn a language, you will know how difficult it is to keep yourself motivated, to learn all of the new words, and then to communicate in it. I understand. I've been learning French with Lingoda for almost a year now, and now that I've moved away from Paris, it's really helped me keep my French at that level, as you will see in the next part of the video. Anyway, sneak peek over. Basically, Lingoda makes it easy for you to pick up a language. All they require of you is 2 months of your time. So if you take a class every single day and you don't miss a single one, then you will get 100% of your money back. Now, for those of you who think that is too much, you can also take their option of taking a class every other day. You get 50% of your cash back, which is also pretty good. There's not another language school out there that I think gives you this level of accountability and motivation. What I love about the Lingoda classes is that they happen any time of the day, so you can literally book a class on the same day. All of the classes are live on Zoom, and the classes are maximum 5 people, but as I speak, I get corrected, which is so good because I'm a person who's very scared of making mistakes. Learning with Lingoda is so much easier than trying to pick up a language on your own, and it gives you the convenience of doing everything from your laptop so you don't even have to move your butt. You pay a deposit and you pay the rest of the money in installments. But the one thing that I can offer you guys is a discount code, QUOC09. You can get $25 off of your initial deposit. But I mean, if you succeed in the challenge, you get everything back. So you can learn French, Spanish, German, English, business English. My goal is to start learning Spanish next month. The link is in my description if you guys want to sign up for the sprint challenge. Let's get into this French vlog. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je n'ai jamais vous montré où je travaille. Donc voilà, c'est ici sur le haut et j'ai pris mon Subway parce que j'ai trop faim et je savais pas quoi d'autre à manger. Mais normalement, je n'aime pas de Subway. Le goût, c'est bien si tu n'es pas végétarienne, mais moi, je suis végétarienne. C'est un compromise. Maintenant, je vais aller dans une soirée de musique avec un collègue. J'ai hâte et je vais vous montrer tout ça. Bonsoir.
On est 3 heures du matin maintenant et je n'arrivais pas à m'endormir parce que j'avais faim. C'est exactement ce que dont j'ai besoin. Une petite pomme. J'ai pas rentré trop tard ce soir. Je rentrais à environ 12 heures, je crois. Je me suis détendue un peu et je suis là. J'ai passé une excellente soirée. Je me suis bien amusée. Ce soir, c'était la première fois où je sentais qu'il y avait un peu d'espoir pour moi de rencontrer plus de gens. J'ai rencontré des vidéographeuses, podcasteuses. Il y avait plein de musiciens. Et j'ai aussi rencontré quelques fondateurs et fondatrices des startups ou des entreprises qui sont déjà très grandes. C'est un peu étonnant pour moi que je me sentais à l'aise entre tous ces gens qui avaient beaucoup de succès dans leur vie. Mais je crois que c'est parce que j'étais vraiment inspirée par eux. Et je voulais apprendre beaucoup de leur vie, de leurs histoires. Mais je suis trop contente, quoi. Je suis vraiment contente. Ce matin, j'ai un peu de blush. Je me sens que j'ai traversé beaucoup de versions de moi-même dans les dernières années. J'ai complètement changé pour aller au Royaume-Uni et j'ai complètement changé pour aller à Paris. Et puis j'ai tout quitté pour aller à Taipei. Oui, le changement dans la vie, les transitions, ils ne sont jamais faciles, mais je me sens aussi très très chanceuse d'avoir eu ces opportunités de découvrir beaucoup de moi-même. Cette expérience de déménager à Taipei, ça m'a appris qu'il y a toujours une période de transition pour s'habituer. Mon personnalité est un peu anxieuse, donc je pense que je me pousse trop. Je suis un peu trop méchante avec moi-même parce que j'ai l'expectation que ça va être facile pour moi de faire des amis, de m'intégrer dans un nouveau rythme de vie. Bref, j'ai appris qu'il faut attendre, il faut être un peu patiente et il faut prendre un peu de l'initiative de parler avec des gens. Voilà. Contente d'être dans la campagne encore avec toute ma famille, mes cousins. Je passe beaucoup de bons moments ensemble. Et là, on a des restes pour les chiens de mon voisin. Salut!
Aujourd'hui, on est dans le jardin de ma grand-tante, la sœur de ma grand-mère. Et ils ont un jardin des fruits. Donc, on a cueilli des yuzu ce matin. Regarde, ils sont assez grandes, très fraîches. Oh, hi. Thank you.